Et bonjour tout le monde, Soximos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo RP Prison les potes. Aujourd'hui on va essayer de trouver une planque pour pouvoir se cacher et fuir la police. Donc voilà, aujourd'hui on va faire ça, c'est l'objectif. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à mettre un énorme pouce bleu, je compte sur vous. Et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour et d'ailleurs aujourd'hui c'est le 1001ème jour de Daily Upload. C'est juste incroyable, donc merci beaucoup pour hier, c'était trop cool. Et voilà, donc je tiens aussi à remercier les personnes qui se sont abonnées avec un abonnement payant, puisqu'il y en a eu. Alors merci beaucoup à Diar, Chu35, Reality Teddy, Tom et Roger, merci énormément à vous, ça fait trop plaisir. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Et si vous voulez prendre un abonnement payant, et je vous remercierai dans la vidéo de demain, dans la prochaine vidéo, eh bien c'est le bouton rejoindre. Et sinon c'est le bouton, c'est le lien dans la description, c'est deviens membre. Voilà, ça permet de me soutenir. Ce sont des petits abonnements payants à partir de 1€ par mois. Vous prenez celui que vous voulez. Plus vous prenez vous prenez un abonnement haut en prix, plus vous aurez des avantages. Et voilà, ça permet énormément de me soutenir. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti. Du coup, je suis toujours avec le Cosmos. J'ai aucune nouvelle d'Awaris. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc on verra bien la prochaine fois. Peut-être qu'il va revenir. Oui, bienvenue à tous. Oh, c'est non l'heure. Bon, voilà, il s'est équipé. T'as pas braqué qu'une banque la dernière fois, les Cosmos. Ah oui, j'ai tué plusieurs soldats. Bon, voilà. Du coup, il m'a aussi donné un équipement. Regardez, hop, j'ai aussi mon masque. Voilà, tac, regardez, tac, tac. Et voilà, donc regardez, hop, et j'ai des armures. Voilà, regardez, là, je suis prêt, les amis, pour le combat. Et d'ailleurs, pourquoi toi, t'as tes manches de recouvertes et moi, je les ai pas? Genre. Ah, je ne sais pas. Ok, et t'es sûr que t'as pas un pantalon? Parce que peut-être genre, parce que là j'ai pas de pantalon et vous avez vu ça recouvre les pieds et tout. Et peut-être que le pantalon recouvre les jambes, je sais pas. Non, je sais pas. Bon. Non, normalement ça recouvre tout. Enfin, moi, ça recouvre tout. Moi je vois, moi j'ai juste une petite salopette. Bon, c'est pas grave, tac, voilà. Attends. Ça veut pas. Ça veut pas, Cosmos. Essaye ça. Ah, ça a l'air d'être mieux. Ah, maintenant c'est la même chose. Il m'a donné la même chose, Cosmos. Bon, Cosmos, aujourd'hui, tu sais très bien ce qu'on va faire. Tac. Ah oui, c'est vrai que j'étais en F5, mais en vrai, ça se met comme ça, du coup, regardez. Hop. Du coup, je vais enlever le masque. Voilà, enlève le masque aussi. Et comme ça, on est quand même beaucoup mieux. Bon, on est prêt pour la guerre, les amis. Ta. Mais aujourd'hui, il faut trouver une planque. Donc, t'es prêt ou pas? On va regarder dans la Allez, ville. On va braquer des gens. On va braquer des gens. Allez, c'est parti. Non, on va pas braquer. On sort notre cabane dans les bois. Bah ouais, parce que notre cabane dans les bois, elle nous suffit plus, les amis. Il faut trouver autre chose. Du coup, là, il faut aller vers la ville. Et il faut trouver une maison un peu abandonnée, un peu à l'écart, ok? Là, ça me paraît bien, ce quartier-là. Il y a personne. Si tu vois des gens, tu me dis, mais moi, je vois personne. Et si on prend dans un grand bâtiment, c'est trop... Et en plus, on pourra pas partir en cavale, oh, tu vois. Oh mon dieu, il y a quelqu'un. Il y a qui? Ah, c'est qui, lui? C'est Roger. Salut Roger, tu vas mourir. Non, je voulais le tuer. Je voulais le tuer. Ok, bon, du coup, je pense qu'ici c'est un bon quartier. Je sais pas ce que t'en penses, parce que si on va là-bas et qu'il y a une descente de flics, on est mort, tu vois, genre dans des grands bâtiments. Alors que là, tu vois, on peut vite s'enfuir dans la forêt. En plus, il y a les montagnes au fond. Bien. Ah ouais, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. On va creuser un tunnel de sortie. Un tunnel de sortie. Ouais, mais oui, c'est pas con. C'est pas con, purée, du coup, on prend laquelle? Attends, maintenant celle-là elle est pas ok. Alors qu'est-ce qu'on pourrait luxueuse. Prendre Elle est luxueuse. Ok. Bon allez, on fait le tour. Il y a encore des maisons à côté. Celle-là elle est trop tout en bois. Elle peut cramer à tout moment. Ouais, on peut la faire. Après on peut. C'est pratique parce qu'on peut brûler des preuves, Cosmos. Bah oui, on peut brûler des preuves. Alors du coup, tac. Non, ici, ici il y a toujours rien. C'est l'arrière des maisons. Viens, on passe par là. On passe par là. Voilà, tac. Bon voilà, donc moi ce que je trouve bien dans cette série, je sais pas si t'aimes bien Cosmos, c'est que du coup je filme même du coup quand on est plus en prison, quand on est en cavale, donc voilà. Bon là ça va, c'est la pleine nuit, donc y a personne. Et on a pas croisé beaucoup de policiers. C'est vrai qu'il y a pas, on a pas croisé beaucoup de policiers, peut-être qu'on va en revoir bientôt parce que là ils sont à nos trousses, il y a des avis de recherche qui sont lancés, donc voilà, faut faire très attention. Ouais, faut pas que je tire partout non plus. Est-ce que si je tire dans une vitre, genre tout là-bas, ça va casser? Attendez.
Alors je vais voir. Ça l'a cassé. Ah ouais, ça casse, regardez. Ouh, je suis en train de... Bon, faut pas que je me fasse repérer. Avant le hasard. Alors, est-ce que tu la trouves bien cette maison ou pas? Elle a des murs en briques, elle est assez résistante. Elle est résistante. Elle a l'air un peu abandonnée, donc c'est cool. Genre, comme ça, les flics ils viendront pas nous faire chier. On va mettre des rideaux sur les volets. Ah ouais, mais pas con. Déjà, ouais. Alors, on va la visiter. On peut la visiter, donc là, ok. Bonsoir, c'est la police. C'est la police. Bon, du coup, ouais, là, y a rien. Y a des chambres. Oh là, y a une chambre. Y a deux. Alors ça, c'est une salle de bain, mais on la réaménagera. Et là, y a une deuxième chambre. Ok. La grande chambre. Ok, bon, bah une chambre pour chacun. Et au pire, si Awaris y revient, bah lui, il dormira. Et où est-ce qu'on va planquer le magot? Le magot, est-ce qu'il y a un sous-sol? Non. Bah on le creusera. Oui. Oh. Mais oui, on fait un passage secret derrière. Oula. Attends, il y en a pas un déjà? Attends, je casse la pioche. Ah oui, mais voilà pourquoi. Ah ouais, mais au pire on fait un petit escalier qui descend et voilà. Ah mais c'est parfait, Cosmos. Ok, donc s'il n'y a pas de prix, c'est que faut mettre ça dans le coffre. S'il n'y a pas de prix, à mon avis, c'est que ça doit coûter une pile de lingots. Vous savez, bah là il faut liquider tout ce qu'on a pillé à la banque, tout ce qu'on a braqué à la banque, puisque du coup là il faut faire disparaître l'argent, faut investir. Sinon si on se refait choper avec l'or, on est foutu. Donc viens Cosmos, on va chercher un lingot d'or et après on revient ici directement. Tiens, on va plutôt passer par là. Ah, il faut chercher tous les lingots. non, on va en chercher qu'un, parce que si on va chercher tous les lingots alors qu'on n'a pas sécurisé ici et qu'il y a la police qui arrive, c'est mort. Donc on va chercher une pile de lingots pour acheter la maison et après ce qu'on va faire c'est on aménage la maison et on refait un aller-retour pour tout bien planquer, ok? D'accord. Tu t'occupes, je vais m'occuper de la planque, ok? On va faire comme ça. Donc je vais m'occuper de la planque et tu sais creuser des trous. Je sais creuser des trous, t'inquiète pas. Ah, c'est parfait. T'inquiète pas, de toute façon le sous-sol va pas être grand. Alors tac tac tac, voilà. Hop, ouah, je suis déjà tombé. Ah oui, c'est vrai que ok. Bon, tac, on va prendre. Ah, je suis bloqué. Voilà. Attends, je suis bloqué, Cosmos. Il faut bouger le téléphone. Il faut bouger le téléphone. Pire, c'est quoi le téléphone? On va le prendre, on va le jeter à la poubelle. On en a pas besoin. Tu as totalement raison. Tac. On pourra acheter des iPhone 10. Des iPhone 10, ouais. Tu veux faire le riche, toi? Ah oui. Alors viens. Du coup, hop, on va acheter la maison. Et une fois qu'on l'a acheté, on pourra la modifier. On aura accès à la modification de la maison. Tac, 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 on mange. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, les potes, mais moi je trouve que c'est une super planque. Alors, c'est pas la plus belle des maisons, mais en tout cas, ça, elle va bien, bien nous servir. Donc, ça va être vraiment cool. Il faudrait aussi construire des tenues de civils. Ah ouais, mais c'est pas con. Bah, déjà, là, on a nos habits un peu camouflage, mais moi je suis encore en orange, c'est ultra voyant. Donc, ouais. Oh, il y a un champ de carottes ici, c'est pas con ça. C'est pas con. On va pouvoir voler de la nourriture. Mais ouais. Tac, ok. Non, c'est pas par là, purée. Attends, je suis trop con. Ah, t'as vu? Il ressemble au bâtiment de la prison, ce truc-là. C'est très mystérieux, tout ça. Peut-être que c'est des bureaux de la prison. Faut faire gaffe, hein. C'est quand c'est à côté, nous. Il y a un bâtiment complètement cassé. Et oui, il y a des bâtiments cassés. C'était peut-être une ancienne prison. Ils l'ont décalé un peu plus un peu plus dans la forêt, hein. C'est peut-être ça. On connaît pas l'histoire de la prison. Bon, du coup, hop, on va mettre l'or au milieu. Et s'il est avalé, ça veut dire que la maison, bah, elle est à nous. Alors, ok, bah il a disparu tout de suite. Bon bah c'est bon. Oh, c'est vrai que j'ai encore ta vue, regarde. Wouhou. Ah, salut. Salut. Et bienvenue à Vas-y, tous. Vas-y, fais-moi une petite visite virtuelle de la maison là. Alors, nous allons entrer dans cette maison. Voici le hall d'entrée avec une petite table en bois. Ok, ok. Ça c'est un bar. Le bar. Avec le petit lavabo moche. Ouais, bah ça on changera tout ça. Hein. Là, l'escalier pour aller à l'étage. Hop. Et du coup, la chambre, tu prends celle-là ou celle de derrière comme chambre? Ah, mais moi, je prends la grande chambre pour accueillir des copines. Ah, des copines. Tu vas prendre qui comme copine? Ah, Cosmos. Petit coquin, va. Bon. Très bonne question. Là, c'est un miroir moche. Attends, je regarde s'il n'y a pas de courrier. Ok. Vas-y. Ah oui, c'est la salle de bain. Et là, la salle de bain, oula, ça touche à même le sol. Bon. C'est quoi, Cosmos? Je vais te laisser faire ta chambre et la salle de bain, et pendant ce temps, je vais commencer le passage secret, ok? Tac. Allez.
Hop. Bon, le passage secret, il va pas être compliqué. Après, on va faire notre chambre. Après, on va faire notre chambre, enfin ma chambre. Et après, on va s'occuper du salon et de la cuisine, ok. Donc, tac, je vais prendre ça, voilà. Ah merde, j'ai pas de pioche, ok. Ok, les potes, bon, du coup, je suis en game mode et on va commencer à creuser tout ça. Tac, voilà, juste, voilà, je vais enlever tous mes chargeurs parce que j'en ai trop. Alors, tac, tac, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouah, mais il faut que ça tombe direct, en fait. Voilà, ça va tomber direct ici. Et là, ah ouais, ça va être chaud. Alors ça va descendre comme ça. Et ici, hop. Voilà. On va faire comme ça. Et là, c'est directement ça, comme ça. Donc on va prendre une torche pour éclairer au début. Voilà. On va mettre ça ici. Et là, on va faire justement la planque. Avec tout ce qu'il faut, tout le magot. Et il y a que nous qui vont pouvoir ça, savoir ça. Donc les abonnés, vous le dites à personne d'autre qu'on a mis le magot ici. Parce que, enfin, qu'on va mettre le magot ici, parce que, admettons, il y a les policiers qui viennent faire une fouille de notre maison. S'ils découvrent le tableau caché et tout, avec ça, la planque, bah, vas-y, on est mort. Donc, du coup, en fait, regardez, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, on va prendre, tac, 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 on va prendre des panneaux et des paintings. Et on va faire ça, voilà. Tac, 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 voilà. Est-ce qu'on peut mettre un panneau? Non, toujours pas. Donc, on va faire ça, ça. Ça, 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 voilà, et hop là, bim, bim, voilà, et en fait ça fait comme un mur, et regardez, quand on met une, ah, quand on met une peinture, ça veut pas, what the fuck, attendez, on peut mettre une peinture ici, mais on peut pas mettre, waouh, c'est encore mieux, mais c'est encore mieux les amis, non, on va la mettre dans le renfoncement quand même, voilà, on va la mettre, non, je veux une grande peinture. Voilà. Et là, regardez, on peut passer à travers. Et personne le sait. Personne sait que qu'on a magouillé quelque chose ici. Donc c'est parfait. On va prendre des stairs. Voilà, comme ça. Hop, hop. Voilà, on va prendre des escaliers un peu stylés parce que on est quand même des personnes importantes. Voilà. Tac. Ah merde. Attendez. Tac. Voilà. Voilà. Et là, tac. Comme ça. Là, on va laisser comme ça. Et voilà. Et hop là. Ah, ça veut pas. Attendez. On va modifier ça, vous allez voir. On met des slabs comme ça. Voilà. Hop, hop. Et c'est parti. Oh non. Le panneau, il est parti. Mais regardez, normalement, là, des slabs, ça se voit pas. Et ici, là, bah, je peux avancer. Je peux toujours pas avancer, wesh. Attendez. Bah au pire on met pas d'escalier ici, c'est pas grave. Mais ici je tiens à mettre un escalier les amis. Bon du coup on est très bien. On va mettre tac tac. Ah ouais bah du coup faut encore remettre des trucs là. Voilà. Et on met ça. Ça, voilà, parfait. En plus c'est le Wither. Bon bah parfait. Donc là on va rajouter un petit peu de joli sol. Donc on va utiliser des blocs stylés. Genre de la concrete grise. Voilà, tac, 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 tac. Comme ça, c'est pas trop voyant, on est bien. Voilà, tac, 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 tac. On se dépêche. Et on va tout mettre en gris, en fait. Voilà, on va tout mettre en gris. Hop, hop, hop. C'est parfait. Bon, les amis, en attendant, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu. Ça me ferait trop, trop, trop plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner. Je le redis. Mais on est bientôt aux 500 000 abonnés. Et c'est trop cool, les potes. C'est trop cool. On est déjà bientôt aux 500K. Je trouve ça juste excellent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop kiffant. Le demi-million, c'est incroyable. Bon, voilà. On a pile une couche ici pour pouvoir faire. Tac, tac, tac. Voilà. On va faire nos bails dans notre coin comme ça. Bim, bim, bim. Et voilà. Voilà, voilà. Tac, 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 tac. Et il faut rajouter des lumières aussi. Donc voilà, là, c'est tout ce qui est bon. Regardez, on a bien aménagé notre salle. Alors, elle est pas... C'est une salle un peu de fortune, on va dire. Surtout à ce niveau-là. Mais ce qui compte, c'est l'intérieur. Comme ça, là, vous avez vu. C'est du béton, c'est bien blindé. Du coup, on va prendre light, light. Voilà. Au pire, néon, on prend. On prend néon. C'est quoi light switch? Ah ouais, c'est pas mal. Bon, néon, on va mettre néon. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, on va faire. On va mettre un néon ici.
que ici. Ah mais on peut toujours pas. Ah puis on peut pas avancer à cause du néon quoi, alors qu'il est tout fin. Bon, on va le mettre juste là le néon et voilà, il va pas nous embêter, ça va au moins éclairer la pièce. Un de chaque côté, ça me paraît bien. Voilà, c'est parfait. Et voilà les amis. Bon allez, on va aller voir le Cosmos ce qu'il fait, parce que moi la planque elle est prête et on va voir ce qu'il fait. Alors Cosmos, ah non ça c'est ma chambre. Alors là la salle de bain il a toujours pas fait. Ah salut. Salut Cosmos. Alors ah oui. Mais il commence sur Ikea. Ah ouais, Ikea, et du coup il te livre directement. C'est plutôt pas mal ce que tu fais. Bon du coup je te laisse, moi je vais continuer, je vais faire ma chambre, ok maintenant. J'ai fait D'accord. la planque. On va pouvoir mettre notre or. Et ça c'est cool. Bon tac, voilà. On va laisser Cosmos tranquille et on va hop là tout enlever pour faire notre chambre. Donc notre chambre, on va faire un truc vraiment. Déjà on va enlever un lit parce que admettons un Waris il est là. Non, on va enlever toutes les étagères pas belles. Hop hop hop, on va tout refaire de zéro. On va enlever le tableau, le lit moche, comme ça comme ça comme ça. Hop 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 hop, et on est bon. Là ok, on va pas pouvoir changer le sol. Ce qu'on va faire, bed, voilà, on va choisir un lit double. Un lit double pour ramener des demoiselles. Alors tac, on va choisir un lit double de ce type là, il est pas mal. La petite table de nuit qui fait plaisir, on va en mettre deux. Non, je vais plutôt mettre... Je vais mettre un lit comme ça. La petite table de nuit qui fait plaisir, on va même en mettre deux. Et on va aller regarder ce qu'il y a dans le truc office. On va mettre un bureau évidemment, puisque nous on est là pour travailler. Un bureau. Ah, attendez, il y a des petites tables basses comme ça. Ah, il y a des bureaux dans le même thème. Je vais tout faire dans le même thème, vous savez quoi? Voilà, je vais tout faire dans le même thème. Ça s'appelle Feeling Cabinet Wood Dark Beach. Ok. Mais... Ok, ok, voilà, c'est ça. Donc voilà. Waouh, ah ouais, il y a plein de trucs en fait. Il y a des... Waouh, waouh, waouh. Mais attends, c'est trop bien. Closet for... Ok. Beach. Ok, ok, ok. Donc on va mettre, il y a même une télé, mais c'est trop bien. Donc on va jeter tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous plaît. Ah, ok, donc ok, là j'ai tout ce qui est en, oh c'est trop bien. Alors je vais mettre le lit en plein milieu, voilà. Je vais mettre une table de nuit ici, une table de nuit ici. Juste on va décaler la fenêtre. On va décaler la fenêtre parce que là elle est pas trop symétrique. On va la mettre ici. Là, on va casser, puisqu'on va mettre une vraie fenêtre. Bah, au pire, on verra plus tard. Et là aussi, on va casser même en tirant dessus. Et on met une vraie fenêtre ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Le bureau, on va le mettre là. Non, là, ça va être la télé. Meuble télé, je l'ai ou pas? Le meuble télé, ok. Meuble télé ici. Le bureau ici. Voilà. Meuble télé, bureau, c'est fait. Là, ça va être pour les habits. Alors, pour les habits, je vais mettre un truc ici. Parfait. Là, c'est le truc de office. Ah, je peux pas mettre à cause de ça. Ah, je pouvais pas mettre à cause de ça. Bon, bah, je vais le mettre là, voilà. C'est parfait. Et j'ai plus de lumière, par contre. Ça, c'est problématique. Light. Voilà. Light. Ah, merde. Lampe. Allez, on va prendre une petite lampe. Ah, il y a un réveil bleu. Lampe bleue. Ok. Donc, ça, c'est fait. Donc, on va mettre lampe sur un côté ici. Voilà. Et le petit réveil sur l'autre. Pourquoi il veut pas se mettre? Alors, voilà. Il veut se mettre. Bon, il est 19h. C'est super. Oh, Cosmos. Ah, je peux pas passer là. Purée, mais je peux rien faire en fait. Bon, là, hop, voilà. Là, on peut passer. On va mettre plutôt une plus petite garde-robe ici. Là, on va mettre. Ah, fenêtre. Alors, window. Window, voilà, on va prendre des grandes fenêtres, un peu style, bah le même style, single. On peut pas avoir une x4 en termes de fenêtres là, une grande fenêtre. Tac, je crois qu'il y a pas, on va prendre en bois clair comme ça à peu près. Et sinon, on va prendre les doubles fenêtres qui s'ouvrent comme ça, c'est parfait. Alors, grande fenêtre comme ça et double fenêtre comme ça, regardez, en plus elles peuvent s'ouvrir, c'est parfait. Wow, bon bah je suis très bien ici. Juste light, ça marche. Lampe, voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas des lampes de plafond, parce que ça c'est vraiment le truc que j'aimerais avoir, mais bon, au pire on prend une lampe comme ça. Je vais prendre un laptop aussi. Donc là voilà, la petite lampe, on va en rajouter une ici. Voilà, on peut l'allumer. Et ici,
Non, ici c'est moche. Donc voilà, on va prendre tout ce qui est laptop. Hop, comme ça. Donc, il est où le laptop? Il est, tac, 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 il est ici. Voilà, laptop. Donc, un petit PC portable pour faire notre petit business. Et on, normalement, on est bien. Voilà, le business, business is business. C'est parfait. C'est parfait, les potes. Il faudrait rajouter vite fait d'autres trucs, mais en vrai, on est bien. Ma chambre, elle est vraiment bien. Je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, voilà. Après, c'est peut-être temporaire parce que ça se trouve, la police, elle va arriver dans quelques jours ou dans quelques semaines. C'est une question de temps. Bon, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa ce que tu fais. Grand rideau de douche, ok. Hop, voilà. Bon, t'essaies de le mettre. T'as un peu de mal. Ah, c'est un peu galère. Ouais, je vois ça. Bon, là, on a les toilettes et ici, on a... Ah ouais, il a fait son petit bureau. Il a mis des petits trucs en plus et tout. C'est trop stylé. C'est vrai que j'ai pas de chaise de bureau. Je vais aller voir. Bon, tu veux voir ma chambre, le Cosmos? Viens. Regarde ma chambre. J'ai tout mis dans le même thème. T'aimes bien? Oui, c'est sympa, oui. T'aimes bien? Franchement, moi, j'aime beaucoup. Je kiffe et voilà. Hop, voilà, c'est trop trop bien. Bon, du coup, ça, on est bon. Là, t'es en train de... T'embête pas, hein. Au pire, mets un rideau de douche. Attends, c'est pas plutôt comme ça. Mets le rideau ici. Mets le rideau ici. Ah bah, il a enlevé les rideaux de douche. Hop. Ah non, ça passe à travers. Ah. Ah ouais, bon, c'est un peu problématique. C'est compliqué. Bon, on va mettre ça ici, ça. Ici. On va enlever la fausse vitre là. Après, les gens qui étaient là avant, ils ont fait n'importe quoi. Hein. Bon, tac, bathroom. Ouais, je me vois dans le miroir. Est-ce que tu te vois dans le miroir? Alors, bathroom towel. Non, bathroom shelf, c'est ça. Tout, le petit savon, la petite serviette, les petites brosses à dents. Et on est bon. Alors, waouh! Ah oui, t'as mis un vrai miroir! Ah oui, on se voit dedans, hein. Ah ouais, lourd. Attends, du coup, je vais mettre un vrai... Ah, je peux pas mettre mon lavabo que je voulais. Ah non, mais moi, je mets un lavabo. Donc, comme ça. Ah ouais, pas con, ok. Bon, le lavabo, avec de l'eau dedans. On va mettre la petite serviette qui est là. Non, peut-être le support de serviette. Comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est bien. Et bah voilà, on est bon. Ouais, mais on se voit dans le miroir, quoi, c'est trop bien. Attends, je vais mettre un tapis. C'est trop bien. Oh, il est sympa ton petit tapis. Ça sera pas tout mouillé. Mais tu sais qu'il y a mieux. Attends. Tu tapes carpet. Il y a tellement mieux en tapis. Regarde. Il y a tac, tac. Une petite carpet là pour... hop là, voilà. Ah ouais, c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah mais je suis trop... Attendez. Je veux un miroir dans ma chambre. Hop. Voilà, je vais me regarder tous les matins. Et bienvenue à tous. Viens, on fait un selfie. T'approches pas trop près. Attends, miroir, qui est le plus beau? je crois... Pourquoi il te répond pas? C'est bizarre. Je crois que... Ah, vas-y, redis. Miroir, qui est le plus beau? Ouais, je t'ai cassé. Ah, 7 ans de malheur. 7 ans de malheur. Bon, c'était une petite boutade. Voilà. Côté les fenêtres. Ah, mais tu me voles mes fenêtres, les Cosmos. Bon, franchement, je kiffe le miroir. Je suis en kiff total. Tu es beau, toi, dis donc. Eh, t'es beau gosse avec tes yeux, toi, là. Avec ta petite salopette, ton petit gilet pare-balles. Faudrait que tu changes de fringue, quand même, hein. Faudrait que tu changes de fringue. Oui. je m'amuse tout seul. Bref. Hop, voilà. C'est mon Cosmos, t'as... Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, tes vitres, le Cosmos. Oh, waouh. J'ai mis des fenêtres. Attends, comment je me mets accroupi, moi? Par contre, j'ai pas trouvé de rideau assez grand. Oh, mon Dieu, vite. Les mains en l'air. Non, les mains en l'air. Attends, si je casse... Yeah. Ah, c'est des... Oh, t'as vu, c'est des vitres par balles. Yes. Regardez, ça... Vitre pas par balle. Tu as cassé les vitres. Ce qu'on a mis. Vitre par balle. Oh. C'était flou. Ah, c'est flou. Oh. J'ai fait de la... Quoi? J'ai fait un truc pas bien.
Ah ouais, maintenant. Ok, je suis totalement buggé. J'ai fait. Attendez. Waouh. Ah ouais, j'ai fait bugger mon Minecraft. Bon bah, on va enlever celle-là, cette arme. Elle est démoniaque. Démoniaque. J'ai dit démoniaque. Oh. Je fais tout bugger décidément. Chou. Ouais, ok. Bon, du coup, tac, voilà. Cosmos, tu viens là maintenant, c'est le moment de faire le convoi. Il faut partir, aller chercher tout le magot. Ah oui, c'est vrai. Allez. Attends. Parce que là, ça va être le bordel. Alors, déjà, je veux mettre cette fenêtre qui ne va pas se mettre. Ok, c'est parti. Ah, moi, je veux voir la salle secrète. La salle secrète, alors la salle secrète, hop là, vas-y, je te laisse l'honneur. Oui. Ah. Oh, et c'est beaucoup de panneaux. Ouais, c'est juste pour. Voilà. Et là, voilà. C'est tout petit, hein, c'est pas extraordinaire. Mais au moins, c'est caché et la police le verra pas s'il perquisitionne la maison. Tac, donc voilà, c'est plus à vendre. Tac, voilà. Tac. C'est super. Allez, viens, on y va, on va chercher le magot. J'ai pas pris ma tenue de camouflage. T'as tenue de camouflage? Ah, moi je. Moi je l'ai à moitié encore. J'ai même pas d'arme à feu. Bah, moi aussi je l'ai enlevé mon arme à feu parce que c'était n'importe quoi. Il y avait. Genre, ça faisait n'importe quoi. Tac. Ok, on va chercher le magot, il est là, ok, c'est bon. Bon, voilà, à mon avis, on a des millions encore, la maison ne l'a pas payé cher, franchement, une pile de lingots, c'est carré. Bon, hop, on y va, bim, et là, il faut que tout disparaisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, voilà, j'ai pris 10 lingots, tu t'occupes du reste et tu comptes combien on a. Et moi je prends la petite couronne, l'alarme incendie ça peut servir. Oh, yeah. Le petit ordinateur de merde. Vas-y, prends le téléphone aussi, il y a le téléphone. Je peux appeler ma mère. Allez, maintenant il faut tout détruire parce que là, tac. Je propose une idée. On va faire péter, il faut effacer toutes les preuves. Ah, je voulais tout brûler. Non. Ça, c'est beaucoup mieux. Hop. Faut faire péter toutes les preuves. Attention, faut mettre la poudre. Tac. Voilà, on met la poudre. La bonne poudre. Hop. J'aime la poudre blanche. Et là, on active. Ça va péter. On se tire, vite. Ça va péter, c'est bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de preuves, Cosmos. Allez, c'est parti. Oh, il va être vert quand Awariz va revenir. Parce qu'Awariz, il est toujours pas au courant de ce qu'on a fait. C'est incroyable. Oh merde, qu'est-ce que je fais, moi? Ok, tac. Voilà, c'est juste trop bien. Et là, on part direction la nouvelle maison. Et j'espère que... Eh, ça te dit, on fait un petit go fast pour la semer la police la prochaine fois. Genre, on va un peu les titiller dans le prochain épisode. Allez. Ça te tente d'aller titiller la police? Moi, franchement, ça me tente, les amis. Dites-moi si vous avez envie qu'on aille embêter un peu la police dans le prochain épisode. Franchement, j'ai vu un commissariat pas loin. Il y a moyen. Alors, viens, du coup, on faut mettre. C'est lourd, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais mettre la petite couronne ici. L'alarme incendie, je la mets ici. Voilà, alors, tout est éteint. Voilà, parce que ça met à jour les trucs. Et on est bon, les amis. Hop. On va mettre un petit miroir parce que c'est trop stylé, les miroirs. Regardez, je vois ce qu'il fait, le Cosmos. Je peux voir ce qu'il fait d'ici. Voilà. Je regarde si tu voles pas, Cosmos. Attends, moi, ce que je propose, je vais proposer un truc, c'est genre juste de mettre un petit bureau ici connecté au marché noir. Au marché noir, au Darknet. Exactement. Au Darknet. Wouh. Oh, les amis, on est trop bien. Nous sommes les rois du crime. On est les rois du crime, le Cosmos. Ok, bon, on finira d'améliorer la maison plus tard, en tout cas. Voilà, merci Cosmos de m'avoir aidé à acheter la maison et tout. C'est grâce à toi tout ça. Donc voilà, à Awariz, on va lui préparer une belle surprise. Et surtout, on va lui faire un gros bisutage pour le fait qu'il soit pas venu pendant toutes ces journées-là. Il a perdu ses couilles.
comme on peut dire, comme on dit dans le milieu. Bref les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, vous prenez un petit abonnement payant pour me soutenir, vous commentez la vidéo, vous la likez, vous la partagez à tous vos amis, c'est le plus important. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, c'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao ciao.